si mon voyage, pour que mon mari comprenne qui j'en suis fait, parce que pour pouvoir compter pour moi, souvent mon lit du voyage, sous mon haut comme une douce, ça se fait pendant les derniers 30 ans pour me battre les hauts. Pour vraiment me dire, commencer pour nous parler du Conseil des ministres extraordinaire qui fait samedi soir très tard, parce que monter coronavirus est obligé nous samedi soir, dans le niveau de l'État, nous te font Conseil des ministres pour nous prendre des décisions côté. À partir d'aujourd'hui, PM, je crois que arrêté à l'île de sortie. C'est-à-dire nous avons un couvre-feu. Nous décrété un état d'urgence pour 8 jours qui comptait à partir d'aujourd'hui, hein, qui a fini lundi prochain, hein, pour nous capables, en fait, de mettre contrôle sur les affaires coronaires pour nous comment évoluer, pour nous comprendre mieux. Et la police, tout l'état-major policier qui est avec nous là, il y a des instructions déjà pour être capable de faire des mesures à respecter, je crois que c'est de 10h à 5h du matin. Que nous couvrons sur 8 jours pour nous capables de mettre contrôle sur les affaires COVID-19. Il faut nous dire, sous même les affaires coronavirus, nous connaissons tout. L'État haïtien signé avec COVAX pour une quantité de vaccins qui représentait 20% de la population haïtienne. Moi, je veux dire plus ou moins 2 millions de vaccins qui sont supposés disponibles pour le pays. Première dose, je viens pour arriver dans le pays incessamment. Il y a des gens qui parlent de moi-même, mais nous-mêmes, notre travail, notre bataille, notre niveau gouvernement pour nous le plus vite sera le mieux pour avoir une disponibilité de vaccin pour le monde qui veut. Il faut le dire parce que le vaccin n'est pas obligatoire. C'est si un monde estime que pour un vaccin, c'est le cas bon pour nous, même comme l'État, nous avons dit clairement que le vaccin, c'est la meilleure façon pour nous protéger la tête. C'est-à-dire, si nous-mêmes, rôle pas nous, nous pas mettre disponible, ça veut dire leur bon problème, c'est nous-mêmes capables de prendre charge là. Et c'est normal parce que c'est nous qui l'État. Et c'est pour ça que nous prenons une décision hein, pour vaccin disponible en Haïti. Et dans le Conseil des ministres, nous-mêmes avons parlé, disons, instruction à la ministre de la Santé publique là, pour permettre bien d'autres opérateurs privés qui ont un vaccin disponible pour permettre aux monde qui ont une possibilité. Nous-mêmes, tout qui voulait pour un vaccin, qui n'est pas qu'à tonne le vaccin d'État, nous sommes capables de jouer une possibilité pour un vaccin en Haïti. Parce que je nous dis, tout pays a fait effort pour le vacciner la population. Par exemple, côté de Moussouti, là, en Équateur, là, le président qui monte aujourd'hui, je voulais parler du président Guillermo Lasso Mendoza. Li dit dans 100 premiers jours là, la gourmet pour vacciner 9 millions équatoriens. Ça veut dire nous connaissons la population équatoriale, environ 14 millions de monde. Président Lasso, li prend décision pour 9 millions équatoriens qui vacciner dans 100 jours. C'est justement pour me dire nous combien que vaccin est important pour un pays. Et nous même en Haïti, quand pas ici, on cap tendre, on cap garder, non. En pile monde qu'on dit, en pile causé, mais nous-mêmes, nous là pour nous tendre sa autorité, nous dit. Le, pour prendre vaccin, pour immuniser, ça veut dire pas de possibilité pour un corona. Ça veut dire niveau de létalité, ça veut dire niveau dangerosité qui vient dans les affaires à l'ordre, virus ça, comment pour qu'on mourir vite là, parce que nous, nous déplorons dans moi plusieurs personnes dans le pays semaine qui sont passées à la. C'est pour ça que nous croyons que c'est bon pour les gens qui ont l'idée pour faire vacciner.
qui a utilisé le vaccin que l'État va mettre à disposition, et ceci, je me demande le samedi à la Conseil des ministres, il y a capable de moyens pour ça, il y a capable d'utiliser le vaccin que d'autres centres qui sont spécialisés dans le domaine de ça, gagnent. Ils sont capables d'utiliser le vaccin ça pour être capables de protéger les têtes contre le corona. Jamais, n'en presse pas les recrutes télévisées. Moi, je suis un voyage officiel à Quito, en Équateur. C'est l'ancien président Luis Moreno qui t'a invité moi pour me participer dans la cérémonie prise fonction d'investiture nouveau président. Je vais parler de. Président Guillermo Lasso Mendoza. Je nous connais depuis plus d'une dizaine d'années. Entre la République d'Haïti et la République d'Équateur, il y a une excellente relation d'amitié qui existait et de solidarité qui existait entre deux pays. Et la relation, ça a été traduit principalement par développement coopération bilatérale dans le domaine infrastructure, dans le renforcement de capacité, notamment police nationale d'Haïti et garde-côte, et puis plus précisément génie militaire. Nous sommes juste une quantité militaire que l'Équateur forme pour nous dans les affaires génie militaire. Et je vous dis, pendant que nous parlons là, monsieur Damzaro, nous avons construit une route Carrefour Joffre là. Ça veut dire qu'un pile chauffeur, technicien qui travaille dans la route Carrefour Joffre Savoie aujourd'hui, c'est des militaires que vous voyez qui étaient formés en Équateur. Et c'est sous base de relation ça que moi été invité pour participer dans la cérémonie ça. Jean Coutoisier international exigé dans affaire protocole. On était obligé de prendre une décision. Nous connaissons un moment pas favorable parce que nous avons un problème de pandémie, de coronavirus. C'est un moment qui est extrêmement difficile. Même si on prend une décision difficile tout, pour nous participer. Et ce n'est pas moi-même seul comme chef d'État qui était là. J'ai gagné le roi d'Espagne, le roi Philippe VI. C'est un président dominicain, le président Abinader. C'est un président brésilien, le président Bolsonaro, qui était là tout, ensemble avec nous. Et c'est un vice-président Paraguay qui était là. Non. Investissement ça. Et États-Unis, c'est une grosse délégation qui était présidée par l'ambassadeur américain dans les Nations Unies, qui était venu. Non. Cérémonie d'investiture président Lasso. Et nous avons profité de l'occasion ça parce que lors de tout président ça qui est réuni d'un seul côté, nous avons profité de l'occasion ça pour nous discuter de sujets d'intérêt commun. Par exemple, processus électoral là dans le pays d'Haïti, dialogue politique là dans le pays d'Haïti. Lutte contre le coronavirus là, et conséquences sociales et économiques pandémie ça. Nous avons des échanges qui étaient très fructueux avec le président de la République fédérative du Brésil. Nous voulons parler de Jair Bolsonaro. Nous avons parlé autour des relations haïtiano-brésiliennes. Nous avons parlé de la pandémie COVID-19 là. Et surtout, nous avons parlé sur la situation compatriote nous qui vivent au Brésil, nous avons parlé d'Haïtiens qui vivent au Brésil. Nous tous connaissons que depuis le tremblement de terre, là, nous avons parlé du tremblement de terre janvier 2010, nous avons parlé d'Haïtiens qui ont quitté le pays là, et le pays d'accueil, c'était le Brésil. Nous avons parlé de jeunes, femmes et jeunes garçons qui ont fait sortir de l'université. Qui était quitté le pays, qui est allé dans le pays Brésil. Le président brésilien voulait assurer le soutien d'Haïti
pour candidature Brésil à un poste de juge à la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Comme nous avons fait la promesse à travers ministère des Affaires étrangères et des cultes, Brésil fait partie de pays côté nous-mêmes, nous pouvons accorder vote par nous dans l'élection qui a fait dans le mois de novembre 2021. L'élection sera faite dans le cadre de la 51e session Assemblée générale Organisation État américain pour être capable de combler 4 postes vacants dans le niveau CIDH. Là. Alors, le Brésil met compter sur nous dans ce sens. Nous avons un petit bat de bouche tout avec, on a parlé avec le ministre. Avec roi d'Espagne là. Si tu as parlé ça, il était fait sous relation Haïti avec l'Espagne. Même si tu as plus sous affaires relations bilatérales que nous avons avec un pays qui est censé son membre de l'Union européenne. Ça veut dire qui ça? Je dis qu'il y a une relation multilatérale, il y a une relation bilatérale. Ça veut dire l'heure où il y a une relation multilatéral, il faut qu'on la passe si le pays a dit qu'on travaille ensemble avec vous. Il faut le passer par exemple, si son pays de l'Europe, il faut le passer dans l'Union européenne et c'est à travers l'Union européenne qui travaille ça. Mais avec l'Espagne, nous avons une relation bilatérale qui est plus directe. Et je profite de remercier pour ça, pour me dire que la relation sérieuse lui permet le développement en bagay qui est important pour nous en pile, c'est de l'eau potable à assainissement. Dans pile commune dans le pays qui n'a pas de l'eau, et à travers DINEPA, Agence espagnole de coopération internationale, nous mettez en pile coup de main dans le niveau DINEPA et dans pile ville dans le pays aujourd'hui qui commence à gagner de l'eau. Nous connaissons que la Bidou travaille avec DINEPA. Nous connaissons la Banque mondiale qui travaille avec DINEPA. Nous connaissons des projets qui sont faits à travers tout le pays. Par exemple, dans le sud, des communes comme la commune Tiburon, la commune Les Anglais, la commune Port-à-Piment, la commune Rochabato, la commune Port-Salut, des réseaux hydrauliques qui sont construits dans la commune. Ça veut dire que pour nous comprendre très bien, non seulement mettre lumière à l'important, c'est-à-dire nous connaissons qu'on a construit un réseau électrique dans tout le pays, dans toute commune dans le pays. Ça c'est sûr, c'est clair, on va en aller. Toute commune qui vient dans le pays d'Haïti a bien un réseau électrique, pas où. Ça veut dire toute commune dans le pays a bien quoi. Ça c'est clair. Mais pour me dire tout le monde, c'est un rêve pas nous. Mais nous connaissons que, nous connaissons que la bagra, nous pas bien de mettre de l'eau dans toute commune. Mais toute commune côté, dînez pas à travers, coûte mais ça, que l'Espagne, la Banque mondiale, la Bible, ben nous, en dans DINEPA, nous travaillons pour nous capables de mettre de l'eau dans le maximum de côté nous capables. Par exemple, Cap Haïtien, je connais un test fait déjà sur la ville au Cap. D'ailleurs, c'est une ville que je connais très bien. L'âme levée du monde. Je connais que de l'eau, c'était toujours un casse-tête chinois pour le monde dans la ville au Cap, depuis longtemps. Je connais bien effort qu'a fait pour bien de l'eau dans bonne partie ville là et nous souhaité nos futurs proches pour bien de l'eau dans toute ville là net non si tu as parlé de fait nous t'ai parlé avec président Abinader qui c'est président pays dominicain nous t'ai parlé avec lui sous support que il était commencé ben nous dans affaire changement constitution. Je te parle avec lui pour le quimber position ça parce que moi-même quand je parle avec nous là, je suis supposé 7e président d'Haïti après 35 ans, je dis à 19e. Et conseil de monde, j'aime toujours dire nous, monde qui dit, yo nager dans des eaux troublées. La constitution ça, c'est pour vous le bon. Il n'est pas bon pour vous-même qui fonctionnez république, il n'est pas bon pour vous-même qui c'est jeune, il n'est pas bon pour vous qui c'est paysan, il n'est pas bon pour vous qui c'est diaspora. La constitution ça pas bon pour vous-même. Qui font dans le pays,
ça veut dire, monsieur, dans le monde, candidat à la présidence, nous avons eu le courage de faire campagne contre la Constitution. Ça. Et je dis, son engagement de campagne, c'est lui que je respecte pour faire chaque haïtien qu'on est, pas un gens pays ça qui ne pas. Avec clé coup ça, on va mettre dans chaque grand haïtien pour empêcher le pays à déraper. Et le président Abinader, il faut maintenant que la continue, dans le même sens, ça, encourager pour redire la démocratie dans le pays, encourager la stabilité politique, parce que en constitution qui borde 19 présidents dans 35 ans, c'est fondamental que l'arithmétique n'est pas même besoin de mathématiques. Diviser 35 par 19, pour chaque qui combien de temps les bons présidents. Vous avez dit c'est chaque un an et un mois parce que en moyenne nous bon président. Ça veut dire, nous avons supposé 7e président élu dans le pays. Nous c'est 3e président qui passe dans l'élection dans le pays. Et bien, 2 ans, c'est un coup d'État que vous avez pays. Il y a un qui prend 2 coups d'État, il y a un qui prend 1. Et nous tous connaissons. Pour moi, ça a passé. Bon président lui-même qui était pour mandat 5 ans, il a dit 4 ans, 8 mois. Et là, il a quitté. Son petit passe-coup est obligé de faire. L'obligé de mettre pouvoir 2 feuilles papier. 2 graines feuilles papier. Parce que si le patron met libre, c'est tant d'autant de pays à craser, de pays à bouler. Moi, je quand vous me dire aujourd'hui, moi, je crois que nous revenons qu'à fois avec le pays, il faut nous garder l'autre dans les yeux pour nous suspendre. Nous y en tomber l'autre. Pour nous dire la vérité aux gens. Le pays a besoin de la paix, a besoin de stabilité. Les gens qui ont petit, ont besoin de l'école. Les gens ont besoin de vivre dans la paix. Pour le fait, nous même qu'à faire politique dans le pays. Nous avons un seul choix, c'est pour nous mettre la politique au service de nous-mêmes. Et comment pour nous mettre, c'est le nous yon, nous chita à clot, pour nous payer une bonne direction sur 25 ans. Ce n'est pas le nous qui nous mettons, yon à clot, pour des intérêts obscurs, ou bien pour nous faire, Jean-Ministre Financier, te dit en français, des bénéfices induits, même les bénéfices suspects, que les mauvais contrats passés, contrat malachon, contrat de graine gauche, qu'a passé pour dire président, fait président menace, moi-même, moi dis nous ça, monsieur, je ne sais pas comment j'ai dit nous encore, nous n'avons pas besoin de continuer à faire menace encore, parce que moi-même, personne ne va pas faire menace. Personne. Je vais sortir. Ça veut dire que c'est fini pour nous chiter à parler, et sous on a fait mauvais contrat, ou pas qu'on chiter à parler. Parce que c'est pour régler le problème contrat, pour là-dedans, sous besoin de venir pour nous chiter à parler, parce que le problème dans le pays, a des bouquets. Avec des gens qui ont dit qu'ils mettent le pays, et pays a un seul peuple. C'est lui qui met lui. Et c'est pour lui que nous travaillons. Et c'est lui-même qui met nous côté nous là, qui fait nous sortir loin. Nous là. Et c'est pour ça, je suppose que nous demandons au président dominicain, comme nous sommes 2 présidents, qui sont présidents de 2 pays qui sont même terre, sont frontières séparées, nous, les assurer de support. Nous avons parlé avec lui tous sous. Un problème qui vient dans le niveau du rivière massacre, parce que comme nous connaissons, moi prends une décision pour me construire un barrage dérivation sur le rivière massacre. Ça veut dire, mon meilleur captain de m'a gardé là, mon férié, je connais pas de côté même dans la campagne. Je dis pas de côté, je fais candidat même à la présidence, je suis dans la zone, bon là carrément, je regarde qui rivière qui est plus facile que je vais arroser des terres dans la zone. Et depuis 2012, nous avons commencé à explorer pour nous prendre un bon jeu pour des massacres, pour nous alloser 2500 caoutchoucs en durée dans la zone ferrée. Et sous même les massacres, ça, nous voulons tout le monde comme ça. Pour nous, seulement en République dominicaine, nous avons 11 brisures. Et sous même les massacres, ça, en aval, à côté de nous-mêmes, nous décidons de faire la barrage de délégation. Frenou, nous devons parler de l'État dominicain nous-mêmes, nous avons un réservoir qui nous fait sur nous. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait une dérivation avec le réservoir. Jean Moué, par exemple, Marion lui-même, c'est sous rivière même que nous faisons réservoir. Mais nous faisons un canal de dériver, on partit dans la rivière avec nos réservoirs. Et d'après ça que je m'apprends,
c'est le plus gros réservoir d'eau douce nous gagnons dans la zone pour les réservoirs ça. Et il y a un côté brûlé, c'est plus salsé. Dans la zone Monte Cristi, qui entre Monte Cristi et Davon. Ça veut dire, nos relations de bon voisinage, nous sommes même en aval, pour nous comprendre bien, ça veut dire en bas, côté nous-mêmes, nous avons pris prise, nous avons un réservoir que nous faisons. Nous-mêmes, prise que nous avons pris, nous n'avons pas un réservoir sur lui. Ça veut dire, nous n'avons pas dérangé le réservoir que nous avons. Même gens nous-mêmes, pour ne pas oublier, fleuve à Tibonit, c'est la caillou le saute. Nous-mêmes, nous faisons réservoir sous fleuve là. Ça veut dire, si vous avez pris une décision pour faire un réservoir sous fleuve à Tibonit, en amont, ça veut dire qu'il y a plus que côté nous fait réservoir par nous, il faut revenir par la veine. Parce que nous avons un réservoir déjà qui est en bas. Mais si son canal de dérivation a fait, je ne sais pas ça, nous obligés de faire trop de discussions sur lui. Et c'est même genre. Je dis à la première fois, le pays d'Haïti a fait prise sur le massacre. Il y a massacre prend sous lui. En Haïti, il y a zéro prise sous lui. La République dominicaine, il y a 11 prises sous lui. Il y a un réservoir sous lui. Le ministre des Affaires étrangères avec moi là, nous connaissons que il y a un rendez-vous avec le ministre des Affaires étrangères dominicain jeudi 27, pour discuter de ce sujet ça, parce que nous sommes deux pays voisins, nous sommes deux pays amis, nous n'avons pas aucune raison de un problème pour ne pas avoir une solution. Mais solution, j'en ai un monde, on a même, monde férié, à travailler jour et nuit, il y a construit un canal là. Je vais vous garantir que la solution, là, je vais dans le sens côté pour de l'eau venir dans le canal là, pour aller vous jeter dans férié, dans la zone néon. Et je voulais profiter de l'occasion pour me parler avec tout ultranationaliste, et dominicain et haïtien. Le peuple dominicain avec le peuple haïtien est condamné pour vivre ensemble. Nous avons eu une chance de parler en janvier, nous avons rencontré le président Abinader, nous avons déclaré avec lui. D'ailleurs, nous sommes deux amis, nous parlons souvent, nous rencontrons tout le temps. Moi, je dis que le président dominicain, ça veut dire là pour défendre l'intérêt du peuple dominicain. Moi-même, moi, je suis président d'Haïti, moi là pour défendre l'intérêt du peuple haïtien. Mais sans nous ne pas quitter en quel ultra nationalistes des deux côtés, viennent faire nous faire erreur. Il faut nous prendre charge, nous mettre courage nous pour nous camper, pour nous faire ça qui est bon, pour chaque peuple, dans le respect de la loi, dans le respect de la norme internationale en matière de deux peuples qui vivent sous même terre. Ça veut dire, ultranationalisme, bon pays d'Haïti, ça veut dire, pour le peuple comprendre bien ça comme ultranationalisme, ça veut dire des mouns qui, ou pas comme ça, le gars dominicain, mais le gars. Et bien, c'est même du côté dominicain, tout, des gens qui ont salé à Haïtien, ils sont là, ils sont là. Mais ils ne font pas pile bruit. L'ordre à parler. Ça veut dire que c'est pour nous éviter, pour que les gens ne pas influencer la décision que nous avons bien pour nous prendre entre deux peuples amis, deux présidents qui ont une relation qui cordiale pour nous continuer à travailler ensemble pour le bonheur du peuple dominicain et pour le bonheur du peuple haïtien. Rencontre que nous avons fait avec le président Lasso, hier soir, président Lasso, c'est le nouveau président Équateur là. Nous avons parlé de coopération militaire, en coopération commerciale et agricole. Et moi, je dis, l'armée qui a commencé là, nous avons dérapé, nous avons aimé l'armée ça que nous rétablit, nous renforcer les relations que nous avons gagnées avec Équateur pour nous capables de plus de jeunes femmes et de jeunes garçons qui intègre l'armée d'Haïti, on l'armée qui prend l'armée crasée, qui prend l'armée crasée brisée, qui prend l'armée coup d'État, mais son l'armée que nous avons mis sous pied pour venir au service du développement. Même Jean Sarté fait Marion, militaire, c'est eux-mêmes qui te travaillent pendant toute la nuit dans Marion, avec des techniciens haïtiens et ingénieurs experts cubains que je remercie encore publiquement pour gros support que vous avez nous, qui fait que nous arrivons. Mettez un réservoir qui a une capacité de transit pour transiter 20 millions de mètres cubes d'eau par année sous pied, 91 ans après que sous l'occupation américaine, sous le président Stemio Vincent, décision ça a été prise pour démarrer le barrage et lui. Dernière catégorie que nous avons rencontré, ça veut dire, ce n'est pas ton président, c'était une forte délégation américaine qui était présidée par ambassadeur États-Unis des Nations Unies.
Et il a gagné plusieurs autres gros officiels américains qui étaient là tout. Nous avons chita parlé sous processus électoral là avec le référendum. Nous avons parlé tout sous support. Bon, nous-mêmes surtout dit nous que les États-Unis parlent pour bailler bon j'en support dans le processus électoral là en Haïti. Et nous-mêmes, nous avons fait plaidoyer avec eux sous changement constitution qui c'est une bagarre qui est plus important pour le pays aujourd'hui. Et nous-mêmes, nous dit que la constitution, ça, c'est un pacte de corruption qui signe entre un série de votants dans le pays pour mener à Haïti. Nous trouvons, si nous trouvons le pacte, j'aime bien sauter encore. Et si tu as parlé, c'est fini pour nous dire que. Dans le niveau du gouvernement haïtien, Roger faut commencer à faire d'ailleurs dans le fond qu'il a pour faire élection avec le référendum. Il y a 29 millions de dollars là-dedans déjà, c'est effort pays d'Haïti. Et on a continué à faire effort pour arriver jusqu'à 40 millions de dollars qui étaient supposés gagner dans le fond de la part du gouvernement haïtien. Hein? Et me profiter, yo même pour me demander aide. Pas dit on aide financière même de parler premièrement donc aide pour renforcer la police nationale, ça veut dire pour venir pour renforcer police nationale sur le plan logistique qui pour permettre que police là capable de jouer comme ça doit dans année électorale ça que nous y là parce que en pile monde moi peut-être pour comprendre ça 2021 son année, moi-même qui campé là pour me mettre pouvoir. Ça veut dire, comment vous les mettre pouvoir, peuple haïtien? C'est lui-même qui est bon pouvoir. C'est Bali m'a tourné pouvoir parce que c'est lui-même qui l'a pour choisir qui moun li vle pour diriger. C'est ça démocratie dit et c'est ça qu'a fait. On moun qui non cauchemar, dans petit passe-coute, réveillez-vous. Dormi bon. C'est pour lever, pour comprendre, c'est dans l'élection, pour aller, al faire campagne. Al marcher, ti bureau, entre galette, potonier. Aller dans la 5e section communale Saint-Marc Bocozel, à l'école Mini, aller dans Mon Caris, aller grosse roche à faire campagne pour peuple à war, j'ai pour le connon, pour le voter pour vendre un bon programme, pour vendre un bon projet, pour le voter, pour venir diriger, pour diriger tout le monde. Parce que lorsque c'est président, ou c'est président tout haïtien. Que monde qui riche, que monde qui pauvre, que monde qui rouge, que moun ki noir, que moun kap viv la ville, que moun kap viv en dehors, et que haïtien kap viv en Haïti, et haïtien kap viv en diaspora, ou se président, tout moun sa. Ça veut dire, vous décidez de diriger le pays, commencez à faire travail. Faire réunion, rencontrer groupe à travers tout le pays, parce que vous avez dit ça. Vous avez dit déjà, si c'est dans la radio, nous était. Il dit 1%. Nous n'avons même fait 1%. Ça veut dire que c'est pour nous. Allez faire campagne. Parce que l'élection, ça, il n'y a pas de monde capable de dire voler l'élection. Parce que les gens qui gagnent, moi-même, c'est lui qui gagne. Et c'est moi-même comme président, c'est lui qui est là pour bailler. Je ne gagne personne. Quel monde qui connaît un camp, pam, ou bien on a l'autre camp, qui connaît moi-même, un petit jouet en battable, je ne vais faire pour personne. Tout le monde, tout c'est bon et tout. Faire campagne, ou gagner élection, nous tout le monde nous battons bravo, ou gagner, et puis nous allons diriger le pays, nous allons diriger tout, parce que là, ça, nous allons être ancien président, nous allons être citoyen, pour nous allons diriger pour 5 ans d'avenir, pour qu'on ait, si vous faites travail ou bien, et c'est pour ça que nous disons que la constitution a changé, parce que si vous faites travail ou bien, ou allez dans l'élection, en quoi, ou qu'à faire un deuxième mandat, mais je nous dis là, si ça avec constitution ça qui pour que dans gouvernement mon président là pour un seul mandat et moi même m'a dit nous ça jodi frère Maxime qui a regardé m'là frère Maxime qui dans diaspora on mandat président 5 ans ça prend nous apprendre pendant 5 ans m'a dit nous ça il y a des dossiers avant hier moi il y a 4 ans 3 mois et quelques jours président ça pour qu'on gagne 2 semaines il y a des dossiers on prend connaissance de ça veut dire en fait son apprentissage qui est difficile, il est dû le un président. Fin fait un mandat, il n'a pas le droit pour le poser candidat encore. Force à pour le résoudre dans le pays.
c'est pas moi qui vais bénéficier de lui, dit tout le monde ça. Moi pas candidat, moi pas candidat, moi pas dans affaire élection qui a venu là. Madame, il était 8 mois et quelques jours pour m'aller pour son nouveau président qui vient diriger le pays. Mesdames, là c'est nous serré, ça veut dire que ce n'est pas pour voir, ce n'est pas pour garçon seulement ça fait. Ça veut dire dans l'histoire du pays d'Haïti, son seul femme qui dirige le président, et puis c'est notre transition. C'est un bel bagage. L'un garde l'élection pour nous mettre mesdames dans l'élection, même genre avec monsieur. Et bataille là, il fait démocratique, sans violence, dans le respect de l'autre. Son bataille qui a fait dans la communication, qui permet au monde qui fait peuple à comprendre et quoi le programme avec le projet li plus là, c'est lui-même qui va gagner l'élection. Moi, souhaitez nous bonne semaine, pas oublier, mettez masque nous, lavez mais nous, si pas une obligation pour nous sortir, pas prendre la rue. Parce que nous avons tout en force, mais l'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est que dans le mois de mai 2020, même le comme ça, pour le côté du vaccin. Aujourd'hui, dans le mois de mai 2021, il y a un vaccin qui est capable d'empêcher le corona d'entrer sur vous. Pas quitter personne, cap d'où ça ne passe pas, qu'on ait un vaccin important, nécessaire pour vous. Merci.